Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora. Nous, avec Guía 3, Estudios Sociales, profesor Víctor Glock. C'est professeur segundo nivel. Tout le monde qui est en segundo nivel, Guía ça, c'est pour vous, c'est Guía 3. Et studio social ou bien ça nous les sciences sociales. Jean-Odile, n'a pas écrit nom, classe et puis date. Pour nous capables de faire ça, il faut que nous fassions un peu de lecture, nous arrivions à comprendre Guilla, bien nous comprendre lecture, et puis nous pouvons commencer à répondre. Ça, c'est email professeur, c'est victor.glog. N'a pas fait, OK? Et Guyassa, il parlait sur Deuxième Guerre mondiale. Deuxième Guerre mondiale, là, on a voulu marquer troisième partie. Cela signifie que tu as deux parties que le professeur a travaillé avec nous déjà. Donc, tu as gagné Deuxième Guerre mondiale, première partie, deuxième partie, et actuellement, Guyassa, il parlait sur troisième partie. Nous appelons tout ça yo, pour prendre du temps pour être capable de lire avant que nous commencions à répondre aux questions. Après titre ça, sous titre ça, il parlait sous conséquences de la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire, après la guerre mondiale, là, qui ça te gagne? Qui conséquences? Qui problème? Guerre mondiale là, lui-même, Deuxième Guerre mondiale là, il était quitté dans le monde. OK? Après, conséquences, il y a des conséquences sur l'aspect économique, il y a des transformations sociales, il y a fin des empires coloniaux, il y a des changements politiques, et puis il y a des importants changements territoriaux. Tout ça, c'est des conséquences. Sinon, les textes là, bien, après, il y a beaucoup de conséquences après la Deuxième Guerre mondiale. Ça me dit, non, pour nous capables arriver à remplir le guide d'études, ça, il faut que nous prenions du temps pour nous capables de lire le texte là bien. OK? Et c'est comme si c'était une analyse du texte qu'on a fait. Lorsque nous finissons le texte là, nous finissons de comprendre, et puis nous allons entrer dans l'activité. C'est à partir du texte là, nous allons arriver à répondre aux questions. Là, dans la première partie, nous joignons c'est des réponses. Nous pourrons émettre à partir du développement, nous pourrons faire des questions sérieuses. Question 1, c'est une question de développement. Il dit que décrit les transformations sociales qui produisent à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Quelle transformation sociale qui est produite à la fin de la Deuxième Guerre mondiale? Si nous allons dans le texte là, nous pourrons réponse là. Nous pourrons réponse là. Mais pas enlever le texte, mais seulement faire des résumés pour nous mettre des réponses. OK, question 2. Et pour vous demander pour nous capables expliquer pour qui ça, il dit que après la Deuxième Guerre mondiale, là, il y a un commencement et empire colonial. Empire colonial, là, a commencé après la Deuxième Guerre mondiale. Pour qui ça, et il dit ça. Ou pas aller dans le texte là, ou à prendre réponse là, ou à venir mettre. Dans la question 3, il dit que pour faire un bref jugement critique. Jugement critique, c'est une opinion personnelle. Ça veut dire que ce n'est pas ça ou dans le texte là. C'est selon vous-même. Ça veut dire que c'est une question ou pas capable de faire prendre Adam même parce que c'est vous-même qui parle bail opinion personnelle. Opinion personnelle là, il est capable d'un argument qui. Positif, il est capable d'avoir un argument qui est négatif aussitôt. On va faire un jugement critique, une opinion personnelle sur la guerre et comme une forme pour être capable et bah, une solution avec conflit entre les pays. On va faire un jugement critique de ça. Est-ce que la Deuxième Guerre mondiale, la vraie, c'était un moyen pour être capable bah, une solution avec conflit qui est entre plusieurs pays? Est-ce que c'était vrai? On a un argument, soit positif, soit négatif. OK. Dans la partie qui est en bas, qui dit Instructiones Generales, pour nous capables arriver à faire question ça en bas,
qui c'est question correcte et incorrecte. Ça veut dire vrai ou faux. Il faut que nous gagnions, premièrement, Guy a quitté parler sur la Deuxième Guerre mondiale, là, première partie, là, et puis il faut que nous gagnions Guy a quitté parler sur la Deuxième Guerre mondiale, deuxième partie, là, et en plus, nous pourrons mettre ensemble avec Guy a que nous gagnions là, qui parlait sur la Deuxième Guerre mondiale, troisième partie. Ça veut dire, question ça, nous pourrons répondre avec trois Guy a. Avec trois guillas, ça veut dire que nous avons cherché guillas, deuxième guerre mondiale, première partie, nous avons gagné, et puis deuxième partie, nous avons gagné, avec troisième partie, nous avons gagné texte dans l'air, tout ça c'est texte troisième partie, avec trois documents, ça y est, eh bien, nous pourrons répondre à la question vraie ou fausse, ça y est. C'est très important. Ça veut dire, si dans la question 1 là, ça veut dire dans l'i correct, je vais mettre C, mais si l'i incorrect, je vais mettre I. OK. On va faire ça devinant 1, revenant 12. Pas oublier. Pour nous arriver à faire ça, on va assembler les trois guillas. OK? Dans la partie D, c'est choix multiple. Choix multiple, ça veut dire nous pouvons choisir question qui est bon. Soit nous faisons croix ou bien nous mettons dans un cercle. Je veux dire que qui est dans le personnage ça, dans le personnage soviétique ça, qui était signé avec Hitler, ils ont traité de non-agression. Mais qui est ça, qui était si yon traité non-agression. Seulement, on va choisir ça qui est bon. Yon m'a dit qui est dans le pays ça yon qui pas tombé sous la domination de l'Allemagne durant la Deuxième Guerre mondiale. Qui est dans le pays ça yon qui pas tomber en bas de domination allemande. Ainsi de suite, on a fait ça pour 3, on a fait ça pour 4. Toutes questions sont en bas, c'est choix multiple. C'est un seul n'a choisi dans yo. Choix multiple, nous choisissons soit par un croix, soit par un cercle. Moi espérer que nous capables et ça ca de maximum note dans guerre ça pour nous capables by professeur yo avant-goût pour demander que nous comprenne guia nous comprenne ça au dit nous faire m'a rappelé nous si toutefois dans partie en l'ça nous pas rassembler de l'autre guia yo et bien nous pas arriver faire question ça et mais conseiller nous pas mettre sous chance mais battre lorsque la météo nous comprendre ça nous choisir nous compte pour quelle raison nous choisir bon succès.